miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je sais. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Ensemble, prions le Christ Seigneur, qui intercède pour nous auprès du Père. Guérir et sauver tous les hommes.
Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Au chapitre 27, verset 30, puis le chapitre 28, verset 7. Rancune et colère. Voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés. Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Au chapitre 14, versets 7 à 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tomba à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en son temps, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
proclamons le mystère de la foi.
Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Garde-nous dans ton amour.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.